magnifique. Un mystérieux avertissement. J'ai fait un sacré somme. Je ne pensais pas qu'Azeroth serait aussi bruyante. Elle ne fait qu'appeler doucement la plupart des gens, mais mon lien avec elle me permet de l'entendre hurler, à m'en faire résonner le cristal. Vous avez compris la vanne, parce que Magni, il est en diamant. Cela dit, j'ai vu Khazalgar, une île de terrestre noyée sous les flammes et la fumée. C'est là qu'Azeroth nous emmenait. C'est celle-là que nous devons protéger. Alors, on rappelle vite fait, Magni qui vient de respawn, il était totalement assommé depuis... depuis qu'il a essayé de communiquer avec Azeroth. Azeroth lui a montré où on devait aller. Khazalgar, du coup. Mais nous, on le savait pas encore parce que du coup, Magni était en train de taper un gros rompiche ici. Il y a des petites bulles ou pas pour... Ah! On dirait bien que cette vieille bique se porte à merveille maintenant. Et moi qui me faisais du souci. Ok. Lui, il dit quoi? C'est fichu frère, alors maudite habitude de s'endormir en essayant de parler avec des planètes. Ah, je me ramollis avec l'âge. Ok, Dagran. Quelle joie de voir que grand-père va bien. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble et le savoir. Mais tout est rentré dans l'ordre. Il a l'air d'être complètement rétabli. Ah, il n'y a plus personne dans la pièce. Ah, les gars, je vous dis, moi je prends mon temps. Alors. Si seulement la bande nouvelle de rétablissement de Magni n'était pas entachée par la terrible vision qu'il a eue, il nous reste encore beaucoup à apprendre. Restez fidèle à votre devoir. Ok, malgré sa grande rancœur, Magni prouve encore qu'il est un véritable orateur d'Azeroth. Je suis soulagé que Magni ait repris connaissance. L'attente m'avait paru interminable. La dernière fois qu'il s'est évanoui en essayant de se lier à Azeroth. Oui, c'est vrai que c'est un cataclysme. Hein. Nous avons survécu. Enfin, une réponse à nos questions. Vous devriez parler à Magni et en apprendre davantage sur sa vision. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Très bien. Discutez des prochaines étapes, puis poursuivez avec Khazalgar. Khazalgar, ce lieu créé par les titans dont parlent les archives d'Uldaman. Il est sans doute menacé. Nous devons réunir le conseil. Par pitié, laisse-moi tranquille avec Uldaman. Parle à Khazalgar. Ok. Nous avons encore beaucoup à faire. Je dois discuter de la révélation de Magni avec le conseil de Dalaran. Veuillez attendre ici pendant que nous concertons. C'est toujours un plaisir. Ah, est-ce que c'est pas... Alors, est-ce qu'on n'est pas censé avoir une cinématique ici? Alors, attendez. Ensemble, nous défendrons Azeroth. Ah non. Ah, ok. Ah, c'est un peu brouillon, là, non? Bon. Le conseil a pris sa décision. Nous irons en Khazalgar. Dalaran se téléportera dès que possible. Pouvez-vous nous aider dans nos préparatifs? C'est un monde évidemment merveilleux. Peuple de Dalaran. Oui, parce que Dalaran peut se téléporter. Ils avaient déjà fait ça à l'époque du Norfandre vers Karazhan, je crois. Et après de Karazhan, ils l'avaient TP direction les îles brisées. Nos citoyens doivent se préparer à quitter Dalaran. Pouvez-vous demander en ville si quelqu'un a besoin d'aide? J'aimerais aussi que vous alliez parler à Bran et à l'archimage Drenden. Tous deux ont des problèmes qui méritent d'être réglés avant notre départ pour Khazalgar. La vigilance est de mise. Ok. Oh, y'a Aleria! Oh, la boss avec son nouveau skin, regardez là! Ouah, Aleria, quelle queen, hein. Non, Aleria, quelle queen. Non, les gars, elle est trop belle. Elle est trop belle. Nous trouverons Xalatat. On va lui parler? Mais les gars, tout le monde a des bulles. Ah, je suis trop content. Si je pensais pouvoir me déplacer plus vite que Dalaran, je serais déjà en route pour Khazalgar. Qui plus est, Magni refuse de me dire où elle se trouve. C'est comme s'il craignait que je ne reste pas à ma place. Je présume qu'il existe un précédent. Bah, ta sœur connasse. Qu'avez-vous fait depuis les enquêtes que nous avons menées ensemble? J'ai continué de chercher Xalatat et son maudit cœur obscur. Maintenant qu'elle est en mesure de convertir la magie arcanique en ombre, je n'avais pas envie de laisser la situation s'envenimer. Aucune piste pour le moment. Cela dit, j'espérais que son intérêt pour moi joue en ma faveur, mais elle est restée très discrète, comme un lynx tapis en embuscade. Cette fois, je n'échouerai pas. Merci à l'arrière. L'Octar. Le conseil a tranché. Dalaran se ralliera à la cause de Khazalgar. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille foncer tête baissée. Nous devons d'abord nous préparer. L'union. Dalaran, Horde et Alliance. Tous ralliés pour protéger notre monde, comme il se doit. Nous traînons tous nos fantômes. À bout d'un moment, faut se relever, frérot. Je ne manque jamais d'essayer. Autrefois, je me serais rallié à cette cause. Mais aujourd'hui, je vois tout ce qui pourrait mal tourner. Quelle erreur nous attend. Tel sur le chemin que nous avons choisi aujourd'hui. Je prie pour avoir tort. Alors, j'entends un chant radieux. Anduin, il a un réel problème, c'est que Shadowlands, il est traumatisé. On a fait une vidéo sur ça. Son traumatisme, il est un peu basé sur rien, malheureusement. Attends, mais on a une quête avec Bran aussi. Incroyable, plein de quêtes là. Dagran. Un livre à ce sujet. Oui, regarde ça.
Khazalgar, vous imaginez pas à quel point c'est extraordinaire. Les chercheurs ignoraient jusqu'à son existence. Les terrestres sont toujours là? À quoi ils ressemblent? Quelle technologie Titana s'y cache? Je dois en apprendre le plus possible. Désolé. Alors Dagran Torrisan, on rappelle, c'est le fils de Moira et de Dagran Torrisan, premier du nom. C'est donc un sombre fer et c'est aussi un barbe de bronze parce que du coup c'est la fille de Moira et Moira est la fille de Magmi. Donc il est sur 3 races naines au conseil des 3 marteaux, il en fait partie de 2. Donc il peut être légitime à être le roi des nains, mais bon. Je ne parle plus pour le père. Ne vous méprenez pas, nous devons nous rendre en Khazalgar sans délai, mais je suis encore fatigué. Azeroth requiert pas mal d'efforts quand elle veut. Parfois, le destin murmure. Si les chances de trouver des terrestres sur Khazalgar sont réelles, comptez sur moi pour vous accompagner. Il faudra bien que quelqu'un établisse des relations. La violence n'est pas toujours la solution. Ah, si vous entendez quelque chose merci, parce qu'Alaria veut tout péter. Les équipes en lice. Si nous voulons explorer les terres de Khazalgar, nous aurons besoin de l'aide de la Ligue des Explorateurs. Cela dit, la Ligue ne compte pas s'y attaquer seule. Elle va de nouveau s'associer aux reliquaires comme sur les îles aux dragons. Le drac carré, le magnifique drac carré qui sera encore présent, les gars, c'est un pur plaisir. J'ai hâte de revoir ces persos, hein. Vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est... C'est revoir les persos du drac carré, les gars. Vraiment, c'est le point fort de DF et ils sont encore là. Cette fois, ils ont pris le nom d'expédition Algari. Ah, ils changent de nom! Incroyable! Donc maintenant, on va taper sur l'expédition Algari. Le seul détail qui me chagrine, c'est que je me demande s'ils arrivent encore à s'entendre. L'exploration peut séparer aussi bien qu'elle peut rassembler. Pourriez-vous aller les voir? Ça me fait plaisir, t'inquiète. Alors, une quête aussi, mais... Oh, il y a... Bah oui. Lui, c'est le nouveau membre du conseil. Bien le bonjour. Bien, oh. Ravi de vous voir. Le conseil vous salue bien. Oui, j'aime bien son doubleur. Protection renforcée. La vision de Magni nous indique que Khazalgar vit sans doute une période trouble. C'est pour ça que Dalaran doit se préparer au pire. Tenez, prenez cette baguette, elle est en harmonie avec les défenses magiques de Dalaran. Achetez-la près des endroits stratégiques de la ville pour renforcer nos défenses. Attention, vous mettez les... Si Khazalgar est attaqué, nous devons nous préparer au pire. Vous devrez lancer le sort de renforcement dans des endroits stratégiques. La baguette fera le reste. Ok. Donc là, en fait, on fait des formalités en vrai, qui est de préparer Dalaran, pas une attaque en vrai, mais juste une téléportation. Genre, c'est pas rien, les gars. C'est une cité qu'on va téléporter sur un autre continent. Et qui plus est, un continent inconnu. Donc, il est, ma foi, tout à fait logique d'avoir autant de préparatifs. Faire des préparatifs de protection ou envers les citoyens. Il paraît que Dalaran se remet à bouger. Pourriez-vous m'aider à faire en sorte que mes étagères ne tombent pas cette fois-ci? Oui. Merci. La dernière fois, je fais recevoir un poignard dans l'œil. Mais j'avoue, un couvre-œil donnerait de la prestance. Ah, alors je pense, c'est un elfe de sang. Il fait référence à l'Orthemar. Vous savez, l'Orthemar, il a un cache-œil. Ici, bah évidemment, ici la prison, non? Ah non, saut renforcé. Ah oui, donc à côté de la prison, on renforce les protections. Assez logique en vrai. Très bien. Suivant. Alors. Oh Walrun, aurez-vous l'amabilité de manger un peu de cette nourriture pour moi? Je crains que le nouveau climat ne la rende impropre à la consommation. Ah là, ma mission c'est gras du fromage, mais avec grand plaisir madame. Lorsque nous avons emménagé au rivage brisé, toutes mes racines diverses se sont gâtées en une semaine. Merci pour votre aide. Et oui, parce qu'en fait là on retrouve tous les persos pour une bonne partie de Légion. Alors évidemment la banque aussi, où on met un saut de protection. Oui, c'est la banque, hein, parce qu'il n'y avait pas d'HV à Légion. Enfin, fallait rentrer au capital, Orgrimmar Hurlevent, pour avoir tout ça. Ok, se renforcer ici, top. Ici. Alors, lors de la dernière téléportation, les papillons qui n'étaient pas en cage sont restés derrière. Pouvez-vous nous aider à les capturer? Ah oui, genre ça a pas TP les papillons. Ok, voilà. Vous avez un don pour ça, je ferai appel à vous la prochaine fois que j'aurai besoin d'une extermination. Non. Bonsoir, non. Bonsoir, non. Ah, c'est quoi? Ah, non, c'est les draps carrés. Reno Jackson, Ligue des Explorateurs.
et l'expédition Algari. Et il faut bien avouer que les îles de dragon ont l'air drôlement aventureuses. Pour sûr, et pleine de dangers aussi, suffisamment pour que la barbe du vieux Bran grisonne un peu plus. Mais enfin, je suis sûr que Khazad-dûm nous réserve son lot de mystères et de péripéties, si ce n'est plus. Reno Jackson, putain. Pas trop quand même, vu les circonstances. Je suis d'accord, les difficultés classiques et les aventures feront très bien l'affaire. Classique MDR. Vous avez la ref? Je t'attends, Khazad-dûm, il n'y a que Reno Jackson ne puisse affronter. C'est vrai, j'ai hâte de travailler avec vous tous. Eh bah putain. Oh non! Ah, belle journée pour bricoler. Oh non! Ah, ils ont ramené un... plaisir de vous renifler. Ah, ils ont ramené une taupe de... comment ça s'appelle? De... ah, j'ai oublié le nom de la zone. Merde! Merde, merde, merde! C'est quoi le nom de la zone de con? De Zaralek! Ils ont ramené Tuberos! Je crois que c'est lui qui creusait partout, hein. Il me semble que c'est lui qui creusait partout. Il me semble que c'est lui. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Tout le monde a l'air à cran, vous ne trouvez pas? Je demande pourquoi. Oh mais bien sûr, c'est à cause des horribles visions de destruction. C'est pour ça que Dalaran se téléporte en Khazad-dûm, ça me revient. D'accord, à plus tard. À jamais, hein. Oh, Toddy Bourbon. Tiens, tiens, regardez qui le vent nous amène. Ah, il nous avait manqué. Beaucoup de gens voient les terrestres modernes comme les ancêtres du peuple nain, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il s'agit plutôt de cousins éloignés. Nous formons malgré tout une grande famille, et je suis tout excité à l'idée de les trouver. L'aventure nous appelle et on lui répondra sans faute. Ah bah merci. Alors, je dois dire que je trouve cette nouvelle aventure plutôt passionnante, même si je comprends qu'il s'agit d'une histoire assez dangereuse. Personne ne sait exactement ce que les terrestres fabriquent là-bas. Commandant, quels sont vos ordres? Reno Jackson. Quels sont les ordres, commandant? Commandant, c'est un plaisir de vous voir, commandant. Quels sont les ordres, commandant? Ça, vous voyez? Ça. Commandant, quels sont vos ordres? Et ça, c'est des lignes de dialogue de World of Draenor. Vous redoutez les dangers présents à Khazad-dûm? Ça ne sert à rien, après tout, l'incroyable Reno Jackson est là pour vous protéger. Alors... alors c'est un peu dommage qu'ils aient laissé ces lignes, déjà c'est pas le même doubleur à chaque fois, mais qu'ils aient laissé ces lignes là, sachant que c'est certainement un perso un peu important. Ou pitié le but, mais... Salutations, il me tarde de découvrir Khazad-dûm, il y a tellement de choses à explorer là-bas. Bran souhaitait que je prenne de vos nouvelles. Prenez soin de vous. C'est gentil de la part de Bran de s'enquérir de nous. Faites-lui savoir que nous nous entendons bien. Très bien. C'est tout? Ok, il y avait plus de bulles que de lignes de dialogue, magnifique. Magnifique, se renforcer ici aussi du coup. Évidemment le conseil. Alors, Kalec, Kalec, t'as démissionné ADF, tu n'as rien à foutre là. Vous pouvez compter sur le vol draconique bleu. Besoin d'aide? Que la lumière vous bénisse. Kalec, Kalec, tu... slash impoli. Merde. Nous viendrons à bout. Bon, Kalec, faut... il est où? Slash impoli. Ah, y'a plus? Ah si. Kalec, dégage, t'as démissionné. T'as rien à faire ici. Ah, Kalec, il a été remplacé par Drenden, et là, c'est Kalec qui est ici. Non, Kalec, faut aller se faire voir. Kalec, t'as rien à faire ici, t'as démissionné, mon frérot. C'est bon, ici, le... ok, c'est top. Il nous reste le saut renforcé... ici c'est quoi? On a pas déjà... il y avait deux banques? Bah putain. Sacré capital, hein. Je me souvenais pas qu'il y avait deux banques. Autant pour moi. Autant pour moi. Bon, on peut aller tout valider, les gars. Je me souvenais pas qu'il y avait deux banques. Bon, je prends mon temps, hein. Ah, j'ai prévenu, les gars. Moi, je prends mon temps, je lis tout. C'est aussi ce qu'on aime. Alors, Drenden, bien joué, champion. J'espère que cela suffira. Je ne voudrais surtout pas qu'il arrive malheur à notre ville à l'heure où le monde a besoin de nous. Les portes de Dalaran vous sont toujours ouvertes. Merci, Drenden. Ça fait plaisir. Ensuite, on valide à Bran. Ils s'entendent bien. Eh bien, j'aurais pas parié un copec sans vouloir vexer personne. Enfin, ça rend ma tâche beaucoup plus facile. Merci quand même d'avoir vérifié. La vérité est ailleurs. Et Khadgar. On a aidé les gens. Merci pour votre aide. Il est primordial que la population de Dalaran soit prévenue de ce qui peut se passer. C'est un monde merveilleux. Alors, de ce qu'a vu Magni, Khazad-dûm n'est peut-être pas la destination la plus sûre qui soit. Nous aurons besoin de vous en cas de combat. Venez me voir quand vous serez prêt à partir. C'est toujours un plaisir de vous aider. Je suis prêt à partir. Restez. Cinématique. Oh,
On la connaît pas celle-là. Oh. C'est encore plus incroyable que je le pensais. Waouh. Dans mes visions, le feu, la guerre. Il y a un problème. Je dois retrouver Khadgar. Drenden. Drenden. Où est le reste du conseil? Oh, c'est pas Drenden. Drenden est mort depuis des années. Quoi? Et pendant tout ce temps, vous n'avez jamais soupçonné ma présence. Oh la boss! Le moment n'est pas encore venu. Mais si vous tenez tant à vous battre, voilà qui devrait vous occuper. À très bientôt. Oh, le nouvel écran de chargement, let's go! Non, Aleria la boss par Comment contre. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Oh, elle était devant nous depuis le début. Qu'avez-vous ah, elle est là en deux fois par contre. C'était l'archimage Drenden. Et dire que tout ce temps que Xalata t'a observé et comploté juste sous mes yeux. Comment ai-je pu me montrer aussi stupide? Et voilà qu'elle envoie Dalaran avec une armée de Nérubiens. Xalata t'avait tout prévu. Elle voulait que nous allions en Khazad-dûm. Je ne rate jamais. J'adorerais traquer Xalata jusqu'aux confins du monde, mais notre priorité est de mettre les civils et civils à l'abri. Sauvez-en le plus possible, et dites-leur de se regrouper sur l'air tout près. Je trouverai des mages pour téléporter tout le monde loin d'ici. Mais Dalaran ne sera pas une proie sur la toile de Xalata. Let's go! Sabrina Tristemyr, voilà pour vous libérer. Yanatai, allez, fuis. Fuis donc, pauvre fou. Oh, c'est un gobelin, j'ai pas envie de le laisser crever là, j'avoue. Bon, allez. Ah, le dash, y'a pas besoin de la sauver. Non, par contre, la cinématique hyper belle. Hein. Là, on n'a pas eu le droit à une cinématique dégueulasse ou quoi. Très belle cinématique qu'on n'avait jamais eu encore. Du coup, qui avait été bien cachée. Bien, j'espère qu'on va en avoir des comme ça pendant tout le pexing. Ça serait dingue. Ok. Toi, t'es sauvé. Putain, ma grosse abomination. Juste derrière moi là. On a sauvé un gobelin. Je sais pas si c'est une bonne chose non plus ça. Oh non! Rani de Froncelor est mort! Oh non! Est-ce qu'il était déjà là avant, Rani, ou pas? Genre, est-ce que c'est une vraie fin de perso là qu'on a devant nous? Ou est-ce qu'en vrai, c'est juste un random qu'ils ont mis là? Alors, toi, je suis désolé, mais ton frère est mort. Rani, t'es mort. Mais y'a qui là? Je fais un petit transmoi un peu sympa avant de partir. Je pense qu'on va vite ressembler à rien. Parce qu'on va vite s'équiper. Plus nouveau stuff, je suis que 462 les gars. Donc, ça rend pas grand chose. On va aller sauver quelqu'un par là-bas. Juste là, non? Encore un gnome, mais y'a que ça Dalaran, j'en peux plus. Hop. Et là, faut que je pue du Nérubien. Allez. C'est magnifique. Il y a des endroits où on peut pas aller du coup parce que ça s'est écroulé. Ah ouais. Ah bah genre la seule pourbe du coup. Ouais, là où on est censé avoir le conseil. Est-ce qu'on voit des gens se battre? Genre le conseil se bat. Non, on voit pas le conseil se battre quand même. Hein. C'est-à-dire que le conseil n'a rien à faire. Hein. Ah, le conseil, il est pas. Ah, il est caché là, le conseil. Hein.
Mage gardien. Nos ah oui, là c'est le point de la horde. Bah donnez-moi des nérubiens, SVP. Là c'est bloqué, les égouts ils sont fermés. S'il vous plaît, des nérubiens, par pitié. Il n'y a plus de nérubiens. Ah là. Petite fleur. Ah, je suis pas sûr que ce soit la bonne appellation. Hein. Pas convaincu par ça, tu vois. Non, le tuez pas, le tuez pas, le tuez pas, faut que je le touche avant. Merde. Après, la vraie question, c'est est-ce que. Parce que, en fait, de ce qu'on voit dans la bêta, du coup, c'est pour ça que je pose encore la question, parce que je ne sais pas. Mais de ce qu'on voit dans la bêta, c'est qu'il y a des trucs qui sont au sol de Dalaran, mais il n'y a pas de Dalaran en entier, en fait. Donc, est-ce que Dalaran est juste extrêmement abîmé, mais avec une possibilité de reconstruction? Ou est-ce que la cité va totalement s'écraser avec une cinématique incroyable? On peut se poser la question, je me la pose personnellement. Évidemment, pas de spoiler, les gars. Quoi qu'il arrive, c'est bien évidemment interdit. Tant qu'on n'est pas arrivé au moins au moment où ça s'est passé, après on peut en parler. Mais ok, donc là je peux aller valider. À l'air de Crassus. Ok, ah, il y a peut-être le conseil là-bas parce que le conseil est déjà presque barré. Attends, mais pourquoi j'ai pas de monture en fait? Ah non, on peut juste pas utiliser les montures ici, non. Ouais, c'est ça. Oh, il y a du monde. Ça c'est les survivants là. Allez, on voit rien de ce qui se passe autour. Les survivants, il y a qui un peu là? Le vieux nanana. Eh ben les gars, il reste plus grand monde, hein, si c'est ça les survivants de Dalaran. Je suis en chasse. Le premier groupe vient d'être évacué, mais nous sommes loin d'avoir fini. Elle ne peut pas. Réel. Suivez-moi, nous allons chercher toutes les personnes qui doivent être mises à l'abri. Ah oui, ok. Donc ça, c'est déjà TP. Je ne rate jamais. Il reste peut-être des survivants. Ok. Venez avec moi. Et donc là, on suit Aleria pour sauver le reste. C'est... Bah, t'as dispawn. Ah, c'est bon, là. What? Damnation. Empruntez les égouts et trouvez Khadgar. Ok, mais Khadgar il est dans les égouts, genre. Oh, Anduin! Yo le boss! Heureux de voir que vous n'avez pas encore évacué. Les Nérubiens capturent les brigands qui vivent ici. Nous devons les sauver. Bon, après, c'est des brigands, quoi. Berthe, t'as le toit de l'araignée. Filgo racle le fond. Encrance. Ah, c'est que des vrais persos. C'est cool. Ah, c'est qui? Comment ça va? Kayla Noir. Médaille. Ok. Bon, ok, ils nous attaquent pas, nous. Si. Ah, mais ils ont des sacrés skins par contre. C'est des nérubiens. Ils ont des sacrés skins stylés, hein. Un ami m'a montré un chemin dans ces lieux. Merci, merci. Vers la grille d'égo. Alors, comment Anduin connaît ces lieux? La sortie devrait se trouver à droite. On sait pas trop, mais bon. Ouah, c'est hyper stylé. Ah bah, c'est le domaine de classe des voleurs, non? Et voilà notre issue. Ok. On a besoin de moi. Nous avons fait le maximum. Espérons que les autres individus voleurs se sont échappés. Qui appelle à l'aide? Ouah, première grève là, top. Alors, mieux vaut qu'on se sépare ici. Je vais guider tous ces gens au lieu sûr et organiser leurs évacuations. Pendant ce temps, cherchez Khadgar, il a sûrement aussi besoin de votre aide. Vous trouverez une autre sortie plus loin, elle devrait vous ramener à la surface. Je vais les conduire en lieu sûr. Trouvez Khadgar. Merci Anduin. C'était un plaisir de te retrouver. Pour que tu te rebarres. Prendre l'ambiance où t'entends les explosions. Oh non, Jacques Findel le Rouge est mort. Oh non. Oh, Jacques Findel. Merde.
Ok, et là on ressort où en fait? Je connais très peu le domaine des casiers voleurs, donc je sais pas par où ça nous faire sortir. Dans une petite échoppe. Ok, top. Oula. What? Oh, mais c'est la base du premier raid, elle. Si haut dans les serres, mais sans nulle part où aller. Rassemblez tout le monde. Amen. Ça la tarte a des projets. Ah, mais qu'est-ce que... Zalata, t'es pour faire quoi? Elle va les bouffer? Non! Pardon, pardon de rire de vous, pardon de rire de... Waouh! C'est un seigneur des cryptes, ça, ou... Yo la team! Aïe, aïe, aïe. Ah, vous voilà. Je l'ai défoncé, par contre. Ah, Khadgar! Bah t'étais où? Khadgar il dit à vous voilà en mode... Waouh, c'est quoi ce ralentissement de zinzin? Hein? Bah attendez. Pourquoi j'ai plus de FPS? Qu'est-ce qui se passe? SVP les gars, j'ai... Mettons-nous au travail. C'est un PC... Bon, c'est peut-être l'endroit de l'event qui fait tout bugger. Je suis content de voir que vous allez bien. Les Nérubiens sont bien trop nombreux. Je crains que nous devons renoncer à Dalaran pour le moment. Il reste comme de la population, elle doit être notre priorité. La vigilance est... Empruntez ce portail jusqu'à Khazalgar. Celles et ceux qui ont pu s'échapper ont besoin d'aide. Ok. Je dois d'abord trouver Aleria. Le portail tremble et se déforme, empêchant de voir de l'autre côté. Ouais, c'est ça, je pense que c'était l'endroit qui faisait bugger. Khadgar, te voilà enfin. Xalatat, je présume. Cette ville abrite un tel pouvoir, et le Kirin Tor le gaspille. J'en ferai bien meilleur usage. Oh non, hors de question. Oh, tièche. Oh, le bateau est brisé. Oh, Aleria. Te voilà. Aleria, sors de ma tête. Elle est vraiment trop puissante, ça, là. Khadgar. Pas le vrai combat. Oh. Adieu, gardien. What? Et bah Dalaran n'est plus, et Khadgar n'est plus, ou alors il a minimum perdu sa main. A minima, il a perdu sa main. Non, Khadgar. Il s'est fait fumer des encens, par contre. Hein. Xal est beaucoup trop puissante. Hein. Sa puissance, une singerie. Bon, on a un écran de chargement qui va être infini, c'est ça? J'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Hmm.
Dame Port-Vaillant, par ici. J'ai trouvé. Ah. Je vais retirer les pierres. Laissez-moi juste. Le boss nous a trouvé. Il est mort. Aïe 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 aïe. Ok. Dégageons tous ces rochers de con. Ah les gars, Dalaran n'est plus. Mais il y a combien de rochers là? Ok. Et dans le ciel, il n'y a aucune trace, hein. Tout est pété. Oh. Ah Thrall! Thrall le boss, on l'a pas trop vu, hein. Avec moi. Tronka. Olren, vous avez survécu, parfait. Tirez vos armes, la bataille ne fait que commencer. Pour Azeroth. Nous avons survécu sans trop de blessures, tout le monde n'a pas eu cette chance. Il manque encore beaucoup de personnes qui étaient à Dalaran. Elles doivent avoir sûrement besoin de notre aide. Cherchez celles qui ont survécu sur le champ de bataille, aidez-les au mieux. Nous avons besoin de tout le monde pour la bataille. Que l'honneur guide vos pas. Okay, les Nirobiens sont partout, Olren. Ils sont trop nombreux pour n'être que les survivants de la catastrophe. J'en ai vu d'autres sortir du sol. Le garde de la reine Zyrix était en embuscade pour nous attaquer. Comment elle connaît la reine Zyrix? Montrez-leur que nous ne sommes pas des proies faciles à attaquer. Nous devons avancer ou ce sera un massacre. On avance. Sauvez qui vous pouvez en chemin. Ça a déjà l'air d'être un massacre. Hein. Sans trop de... Bon. Voilà, sans trop commenter la situation, on vient de perdre une capitale. On vient de perdre le gardien. Déjà, Atiège qui a brisé en deux, ça c'est dingue. Elle est juste trop puissante, c'est une dinguerie. Sans mana, je ne peux. Merci beaucoup. Oh, c'est Bran. Je suis flavoir comme un agneau de l'année. Ah, je l'avais pas vu, Bran. Quels sont les. Ça va mieux. Ah, c'est Aetas. Ok. On comptait de nombreuses reliques précieuses et puissantes à Dalaran. Beaucoup ont été endommagées dans la catastrophe et sont défectueuses. Il faut les détruire. Prenez ce parchemin. J'ai inscrit un sort d'éclatement. Lisez-le à voix haute et sa magie sera libérée. Lorsque ce sera fait, prévenez. Alors ça c'est très bien parce que. Utilisez ce parchemin. Les reliques doivent être détruites avant leur surcharge. Parce que il nous donne un parchemin qui est enchanté pour le faire. C'est beaucoup plus Heroic Fantasy que nous qu'on arrive à gros coups de marteau dedans. Qu'utilise des sorts de gifs pour les dégâts, etc. Parce que. Normalement la magie, les gros sorts comme ça, c'est. T'es obligé d'utiliser un. Oh c'est un mob rare, On le tue. 4 Akirit, c'est quoi ce truc? Minerai récolté par les personnages joueurs. Ok, on a nos 4 premiers minerais les gars. On a de la Kirit, incroyable. Garde la reine Zyrix. Mais alors ça par contre vous voyez, Jaina qui sait qui est la reine Zyrix. Bon. Jaina est arrivée en même temps que nous sur le sol. Laisse-nous tranquille. Tu genre. Elle peut dire, je sais pas, que c'est quelqu'un. Enfin que c'est l'air d'être quelqu'un d'important ou quoi, mais dire la reine Zyrix. Bon Jaina là tu j'ai l'impression que c'est un développeur qui parle un petit peu Jaina Port-Vaillant là, c'est. Jaina, tu sais pas toi qui parle là, c'est un développeur. Excusez-moi ça. Alors eux j'ai plus besoin de les tuer. La fouille c'est que je sauve des survivants de Dalaran et des civils, mais c'est optionnel. Et là il y a des civils. Ok. Après, destruction de Dalaran, bon, évidemment, c'est un peu triste, mais c'est une très bonne chose. Dans un sens, je pense qu'on en fera une vidéo bientôt. Maintenant que c'est sorti, de pourquoi c'est une bonne chose. Et que dans les jeux comme ça, il faut savoir. Ah, c'est peut-être là-bas. Il faut savoir tourner la page de certaines choses. Que Khadgar meurt, c'est dans un sens aussi une bonne chose. Marin bruit caboche. C'est lui le gars dans la nouvelle de Gazleux, je crois. À l'aide. Je peux pas bouger. Ah c'est Moira. Moira Dagran. Tu vas okay. Bien. OK. Oui. Merci à papy de m'avoir appris la forme de pierre.
Attends, où est-il? T'inquiète. On doit le retrouver. Excellent. Les gardiens arcaniques vont protéger. Ok. Aidez les autres. Kangourou rage. Ouais, alors il reste qui à sauver là? Il en reste un, après les civils c'est optionnel. Ah putain, je peux pas voler encore ici. Ok, faut que je trouve qui est le dernier mec à sauver. Bah est-ce que c'est pas Magni par là-bas? Non? Non, pas du tout. Attends, toi je te soigne. Bon, attends, il nous manque un gars à sauver pour avoir les 7. Les survivants du crash. Où est-il? Alors, il doit être plus vers là-bas. Alors là, on n'a pas trop été par là. Bon, ici, il a l'air d'avoir personne. Les Nérubiens sont hyper stylés par contre, hein, ça les gars. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Les skins des Nérubiens sont tous incroyables. Ils sont tous très très beaux. Ah, c'est ici. Ah, c'est là. Pierre d'âme. Ah oui, du coup, je les raise. Parce que c'est un démoniste. Ok. Top. Top, top, top. Ça fait toujours mal. Bougez-vous. Je m'occupe des blessés ici. Ok. Allons valider. Chaîne à Port-Vaillant. Alors, beau travail. Nous avons progressé, nous allons peut-être pouvoir nous dégager de là. Contrôlez votre pouvoir. Il semble inconcevable de poursuivre la destruction de Dalaran. Mais Aetas et vous avez bien fait. Ces artefacts étaient instables. Nous ne pouvons pas prendre le risque que leur pouvoir se retourne contre nous. Beaucoup ont survécu, tant mieux. Lorsque ce combat sera terminé, nous récupérerons les dépouilles de ceux et celles qui n'ont pas eu cette chance. Ce n'est pas le moment de pleurer. Gina ! Ah, Anduin ! Magni a des problèmes. Le garde de la reine Zyrix est... Vous êtes en vie. Comment ils connaissent tous la reine Zyrix ? On est d'accord que la reine Zyrix, on n'en a jamais entendu parler. Même nous, on sait pas qui c'est. Comment ils connaissent tous la reine Zyrix ? S'il vous plaît. Ils affrontent les 100 en bordure des décombres. Moira et moi, nous avons lu l'idée, mais nous n'avons pas pu le dégager. Venez avec moi, Magni a besoin de notre aide. Tant de gens sont morts. Très bien, allons-y. Suivez-moi. Bon bah. Magni ne peut pas retenir Zyrix plus longtemps. Nous tenons la position. Aidez Magni. Ok, Magni. Magni. Bon. Bah, si un jour on nous explique qui est Zyrix, pourquoi pas. Mais alors, jusqu'à maintenant. Zyrix, on sait pas t'es qui, hein. Merde, j'ai supprimé une de mes capes, quoi. Ok. On peut pas les retenir. Oh les boss. Waouh. Belgrim. Bah ils... Par contre ils arrivent vraiment en mode Avengers hein. Ok non, donc tu as survécu. Gens indésirables, ma mission est de protéger l'île de Dorne. Partez sur le champ. Indésirables? Vous nous avez vus tomber du ciel et combattre pour survivre? Il nous faut de l'aide! Vos besoins n'ont pas d'importance. Votre présence n'est pas autorisée par les titans. Les titans? Ne parlez pas, ma fille, comme ça! Espèce de tas de cailles! Un terrestre. Oh, je sais. Dur comme un diamant. Un trégard. Vous avez vu des gens comme moi? J'ai entendu de nombreuses histoires sur leur bravoure. C'est un signe. Un signe des titans. Ce n'était pas la magie. Ils ont l'air obsédés, hein. Ce qu'il veut dire, c'est... Oui, bien sûr. Et ce serait un honneur de... Dornogal, quel désastre avez-vous apporté à notre ville? Créatures étrangères. Désolé. Nouvelles instructions. Nous devons retourner en ville.
ensemble. Ah, ça y est, ça commence. Ensemble. Ok, il y a des petites bulles. Il dit quoi, Thrall? Nous devons poursuivre notre. Il faudra t'exalatate. Espérons que ces terrestres nous en empêcheront pas. Ce qui est fait. Je suis contente que les terrestres nous aient trouvés, mais je crains que le raid ne suffise pas si nous voulons préparer une offensive contre les Nirubiens Exalatate. Je n'oublierai rien. Exalatate a quand même solo duo. Khadgar fit à l'arrière. À la mort, à la destruction partout. Un ami, membre de ma famille. La liste des victimes ne cesse de s'allonger. Khadgar, Aleria. Cela s'arrêtera-t-il à Exalatate? Quand cela prendra-t-il fin? Aurais-je droit au pardon? J'ai l'ensemble de mes livres et mes parchemins, mais regardez tout ce qu'on a perdu. Tout le savoir accumulé à Dalaran, tous les gens. J'espère que ces terrestres trouveront d'autres survivants. Et j'espère que le fait que le vieux soit un Traegar nous aidera à faire ami-ami avec eux. Peut-être qu'ils auront une bibliothèque aussi, ce serait génial, hein? J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Je n'ai pas besoin de t'aide, Olrun. Manny grimace de douleur. Il est manifestement essoufflé et blessé. Enfin, vous pourriez peut-être me faire la courte échelle pour que je grimpe sur un griffon. C'est bien des griffons, ces oiseaux. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que... ils connaissent tous la reine Zyrix, là. Mais ces griffons-là, on ne les a jamais vus. On ne les a jamais vus avant. Donc que Magni les connaisse bien, que les connaisse pas, ça, c'est top. Ça, c'est bien écrit, ça. Je continuerai. Bien sûr, il a fallu qu'on se trouve coincé ici et que mon père trouve rien de mieux que de se faire blesser, toujours à vouloir jouer les héros. J'espère que Dagran ne va pas le prendre comme exemple. Bah, même moi je n'y crois pas. Partir en virée, me retrouver bloqué, rencontrer un grand nain ténébré à mon arrivée, je peux m'en sortir. Ce n'est pas ce qui va m'arrêter, Khazad-dûr. Je vous donne la permission de partir. J'ai fait serment de protéger la galerie. Ok, wouhou, voile dynamique. Vous n'êtes peut-être pas hostile, mais vous n'êtes pas non plus une armée alliée. Si vous êtes responsable de l'arrivée des Nérubiens, vous êtes également responsable de l'assaut sur Dornogal. J'ai du travail. Vers Dornogal. Vous avez mené sur nos rivages la mort et la destruction à une échelle que nous n'avions pas vue depuis des milliers d'années. Mais vous avez le sang des Nérubiens sur les mains et un Traegar à votre côté. Cela suffit à m'inspirer confiance pour le moment. Je dois ramener mes chevaucheurs et chevaucheuses de tempête à la capitale d'Ornogal pour enquêter sur cette explosion. Volez avec nous. Restez dans notre sillage et vous n'aurez aucun mal à fendre les airs. Je vais envoyer d'autres pilotes pour ramener vos camarades une fois que tout danger sera écarté. Puissent les édits vous... Les édits exigent que je défende la galerie primaire. Je dois retourner à Dornogal. Mes chevaucheurs et chevaucheuses vont réunir les survivants. Prenez votre envol. Est-ce que toutes ces quêtes par pitié? Ok, let's go! Incroyable. Enfin, du vol dynamique. Pof! Aïe. Ok, là on est arrivé. Paf! La galerie primaire. J'ai manqué à mon serment. Mais quoi, y'a rien là? Ah! Ok, pardon. Pourquoi les Nirubiens ont-ils fait ça? Conversation terminée. Je ne sais pas encore ce que vous venez de faire ici, étranger, mais vous semblez efficace pour éliminer les Nirubiens. Tout comme nous, les chevaucheurs et chevaucheuses de tempête qui formeront l'avant-garde de cette île. Les Nirubiens sont un ennemi ancien. Je ne serais pas surpris que ce Zyrix ait entendu parler de moi. Le garde tempête et me craigne. Mais malgré cela, votre talent nous serait utile pour protéger Dornogal. J'ai un freux de la tempête que vous pouvez monter en selle et aidez-nous à débarrasser la ville de ces insectes. Nous sommes même avec quelqu'un qui l'Ocraine. Ce freux va réduire les araignées en cendres. C'est une ref à Loken ou pas? Repoussez les Nérubiens autour c'est de ça, la galerie. C'est ça, faut les faire mort. Je me charge de ceux dans la ville. Donc ça, c'est la galerie primaire. Apparemment, c'est un lieu assez important du coup. Vu qu'il a assez d'arrache qu'ils soient arrivés là et la ville il a dit il s'en fout un peu j'ai l'impression donc Ils battent en retraite. Bien joué. Maintenant, je crois qu'une discussion s'impose entre vous et vos camarades. Mais je suis bien d'accord. Bien d'accord. Alors on a tous ces gars là, ils ont encore des nouveaux dialogues. Il y a tant à dire. Ouais, ils ont encore des nouvelles lignes de dialogue. Bon attendez. Pas si allez on les fait. Alors, Dagran, et dire qu'on est les premiers nains à avoir posé un pied dans cette ville, une ville terrestre, une civilisation terrestre, et la galerie primaire, un chemin menant vers le cœur du monde,
quelle entreprise incroyable. J'aurais tellement voulu voir ça avant l'attaque. Je sais pas ce qu'on fera ensuite, mais je prendrai des notes. Place à l'aventure. La bataille qui fera sur Dalaran est loin d'être terminée, Allrun, et je suis sur la touche à cause de mes blessures pour le moment. Une chance que vous ayez été là pour m'aider et que les Terrestres aient débarqué. Je ne sais pas trop si je peux leur faire confiance, surtout à ce Baelgrim. Il m'a l'air prétentieux possible. Aucun respect pour moi, Moira. Mani grimace de douleur. Mais s'ils veulent nous aider avec les Nérobiens, faut qu'on leur donne leur chance. Après, c'est quand même nous qu'on débarque chez eux, Mani. Bon. J'espère être soigné à mon tour. Dagran avait raison. Cette ville est merveilleuse, mais même si les Nérobiens y ont causé pas mal de dégâts, j'ai l'impression que certaines fissures sont plus anciennes, à en juger par la présence du lieur et des fleurs sauvages. Baelgrim, incarne peut-être l'armée et un général pour cette île. Mais qui répare les nids des poules? Quelque chose ne tourne pas rond. Ouvrez l'œil, Allrun. Je vous autorise à partir. Ah. Ok. Tral. Le combat est loin d'être terminé. Nous devons attaquer Xalatat. L'union. Ah bah, elle est là, rien. Fais la force. Les Terrestres continuent de transporter les personnes blessées jusqu'à la ville. Je leur suis reconnaissante pour leur aide. J'aurais juste souhaité pouvoir en sauver davantage. Xalatat va se heurter. Encore de la destruction. On dirait qu'elle me poursuit. Les blessures de Magni sont plus graves qu'ils ne veulent montrer. Il doit bien y avoir dans cette ville une auberge pour nous reposer et reprendre nos esprits. Qui appelle à l'aide? Je n'ai trouvé aucun indice sur la position de Xalatat parmi les débris. Nous ne pouvons pas nous attarder. Xalatat doit payer pour ce qu'elle a fait. Cette fois, je n'échouerai pas. Eh bah frérot, votre question. Je ne sais pas pourquoi les Nérobiens sont de retour, ni pourquoi ils attaquent Dornogal. Pour le moment, le plus urgent est d'évaluer les dégâts à la galerie primaire. Nos camarades mandataires des machines ont peut-être besoin de notre aide. La voie qui mène au centre d'Azeroth doit rester ouverte. Telle est la volonté des Titans. Puissent les Titans. Et donc ça doit rester ouvert. Ça, ça mène au cœur d'Azeroth, apparemment. Centre de la Terre, en tout cas. Par les Titans, il ne reste rien de la galerie primaire. Il faudra des années, voire des siècles, pour déblayer les décombres et réparer les dégâts causés par les Nérobiens à la structure interne. Sans parler d'atteindre le cœur du monde. Le bulan est plus lourd encore depuis la disparition des êtres liés à la pierre. Je dois réfléchir à la suite des opérations. Vos camarades sont à bon port. Parlez-leur et ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Si nous avons besoin de vous, je vous le ferai savoir. Faites preuve. Nous avons conduit les Nérubiens ici. C'est tout? Ah. Mais non! Ça crache! C'est bon, on sert quoi instant? On sert quoi instant? Let's go! Let's go! Let's go, let's go! Bah, en vrai, les gars, pour YouTube, parce que du coup, je règle quand même temps. Bah, écoutez, pour l'intro, c'est top. Pour l'intro, c'est top, on est top.